Bernard et 19 BBJ International retrouvaille. Combien de fois les portes sont fermées pour toi? Retrouvaille, toute l'actualité nationale et internationale avec John Wesley Delva, James Osney et Maître Lavelle Joseph. Retrouvaille, tous les dimanches, un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. International retrouvaille. Combien de fois les portes sont fermées pour toi? Retrouvaille, toute l'actualité nationale et internationale avec John Wesley Delva, James Osney et Maître Lavelle Joseph. Retrouvaille, tous les dimanches, un rendez-vous qu'il ne faut pas rater.
Monsieur Malé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Son plaisir pour nous rentrer la caillou. Après-midi, on l'autre fois encore pour une petite émission retrouvaille pour vous, pour ne parler pays. Et une seule question m'a posé depuis ce maintenant, c'est qui modèle société nous voulez, qui modèle pays nous voulez. Est-ce que c'est une boîte fatra que nous voulez comme pays? Est-ce que c'est une jungle nous voulez comme pays? Est-ce que ça fait carrément un état de nature? Est-ce que c'est là nous voulez retourner? Côté que pas gain loi, pas gain rien du tout, tout le monde fait ça au vle, c'est la loi du plus fort. Hobbes t'a dit où l'homme est un loup pour l'homme. Est-ce que c'est modèle de société ça? Est-ce que nous voulons faire un retour à l'état de nature? Et c'est cette question à laquelle nous allons répondre ce soir à l'émission avec Lavel Joseph et James Ousné, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir James Ousné. Bonsoir John Wesley Delva, il me semble que mon micro ne marche pas. Bonsoir John Wesley Delva, bonsoir Maître Lavel Joseph, bonsoir à toutes amis, auditeurs, auditrices, radio, bat bravo pour la jeunesse. Bonsoir à toutes les amis internautes qui suivent l'émission Retrouvailles sur Facebook, sur YouTube. Son plaisir chaque dimanche 5h pour nous ensemble avoir, pour nous brasser l'idée sur le pays, pour nous brasser l'idée sur ensemble de sujets qui interpellent nous. Donc nous espérons, je dis, qui modèle société nous voulons pour Haïti, nous va partager des idées qui permettent que nous ne font pas vers la bonne direction, parce que pendant plusieurs temps là, John Wesley Delva, je pensais que son descente, son chute libre, et que n'a fait au plus profond de l'abîme. Donc, encore une fois, bonsoir à tous les amis auditeurs, auditrices de Radio Bad Bravo pour la jeunesse. Bonsoir, Maître Lavel. N'a demandé de Maître Lavel descendre volume, récepteur lien. Bonsoir, John Wesley Delva. Et bonsoir James Ousné, est-ce que mon micro est correct? Oui, mon micro l'a passé 10 sur 10. Et puis bonsoir à notre technicien, infatigable. Et puis gros bonjour, bonsoir pour tout le monde qui a écouté l'émission ça un peu partout dans le monde. C'est là qui a écouté nous en Haïti, dans Port-au-Prince. Nous saluons particulièrement l'honorable maître Abel Lissin, défenseur et Douamoun. Continue le travail à la chère-mère. Et puis nous saluons Mme Camille Jean-Baptiste également, qui c'est un fan inconditionnel. Émission ça. Par le cap côté, nous dans Gonaïve, nous saluons Miss Mésidor Nozette et un fan inconditionnel de l'émission ça, qui toujours d'ailleurs copier photo, James Ousné et John Wesley Delva. Et bien bonsoir à toi, Miss Nozette. Et puis merci parce que vous faites de l'émission ça. Il y a un rendez-vous que vous n'avez pas raté. Bonsoir. Et Adeline Luc, M. Gamaliel Joseph et puis Maître Jean-Baptiste Ezekiel, qui toujours écoute l'émission ça depuis la ville de Gonaïve. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Retrouvaille pour aujourd'hui dimanche ça. À côté, nous pourrons regarder ensemble. Et du train que Barrio pour aller en Haïti ça là, qui modèle société nous gagne et qui ça nous doit faire pour nous aboutir en société plus ou moins vivable? Mais monsieur, nous connaissons Retrouvaille, toujours oublié de demander nous comment semaine est pour nous, est-ce que nous sommes en forme? Et comment ça t'est pour nous, au point de vue santé, dis-moi, parce que quand même, si on retrouve, il faut demander nous comment on y est, parce que généralement, nous pas ouais, nous passons toute semaine en pas ouais, mais son espace côté que nous rencontrons, nous profiter parler de toute bagaille, nous pas de guetter parler. Comment ça a été pour nous personnellement pendant ce moment-là, monsieur? Ben, John Wesley Delva, ouais, on comprend que nous avons un contexte qui est particulièrement difficile, parce que remontée de pandémie COVID-19 là dans Québec, gagner de nouvelles mesures que le gouvernement québécois prend, ces deux mesures qui tendent et à l'avenir vers un reconfinement ou un possible reconfinement. Donc nous obligés multiplier vigilance. Non, par exemple côté que map travaille, c'est vraiment en pile précaution. Donc gagner monde qui a tombé, gagner monde qui a mouru, des monde cap malade. Donc faut que nous rester vigilants du point de vue sanitaire, sinon n'avancer, n'ap vivre. C'est vrai que l'on a pensé avec pays d'Haïti, l'on a regardé ça qui a passé là dans John Wesley Delva, même si on pas vivre en Haïti ou pas capable de tout repos ou pas capable à l'aise, oui, parce que moi-même m'obligé à faire des choix radicaux parce que parfois, on a envie de
font une rupture avec la réalité, avec l'actualité d'Haïti, parce que c'est douloureux, c'est vraiment, vraiment douloureux. Donc, nous en forme, John Westedel. Mette la velle, James Ose dit m'y en forme, c'est dire en forme. Et dimanche passé, pas d'abdim l'en forme, non? Parce que dimanche passé, James pas en forme. Ben, Gadeba, nous t'es parlé bon. Avec co-fermé, c'est certain bon, que les pas en forme. Ça fait me content, Zamim, et... retrouver souris lit. Et je dis. Pour la plus belle. Pour la plus belle, voilà. Mette la velle, en forme, en forme. Bon, moi-même pas dit en forme, mais parce que retrouver là, les moyens là, ça peut mettre moins rire un peu. Parce que, à ne pas oublier que moi-même fais partie de monde tant que de mes oies de l'homme, yo, qui même si au loin, mais qui peut être à Haïti dans un traillot, dans l'esprit. Yo. Et loin, ce n'est que deux corps que nous avons à Haïti, mais tout ça qui a passé à Haïti concerné. En plus de ça, moi, je suis le symbole parfait de l'humanisme. Et je pense que la souffrance de quelqu'un, c'est souffrance pas. Et les n'a regardé bagaille qui a passé en Haïti dans dernier jour ça yo dans weekend yo, c'est certain que c'était la mort dans l'âme, j'étais plongé dans une consternation profonde au point que nous t'ai senti des sentiments de révolte qui t'a quand même envahi nous. Même penser que nous fait ça n'gain pour nous faire et n'a continuer faire ça autant que faire se peut pour nous essayer brasser l'idée ouais dans qui mesure nos cas pour tes coups de panneau. Pour que les gens qui vivent à Haïti, même nous-mêmes, nous avons dormi à la porte, nous l'ouvrir, nous avons sauté, nous avons fait ça, nous voulons. On joue pour Haïti, la jeune, la paix, ça, et l'elle jeune, nous-mêmes, nous avons perdu tout côté de nous. Mais espérez dans tout cap côté émission, tu es en forme, mais mon Chili, Brésil, Argentine, mon États-Unis, mon Canada, Montréal, Haïti, mais espérez que, eh bien, nous sommes en forme au point de vue santé pendant ce moment, non? Et ça qui t'a malade d'où, m'a souhaité un bon rétablissement. Alors, je dis, nous avons une question fondamentale. Et nous avons dit son question existentielle que nous avons posée. Et nous allons faire peut-être une dizaine de minutes à présenter une petite réflexion autour de la question ça, c'est qui modèle de pays non voulé. Je dis, Haïti, c'est la risée du monde. Après plus passé 200 l'année indépendance, je dis à nous ces pays, nous sommes pays qui a tâtonné, nous sommes pays qui a promené, nous sommes pays qui a vacillé, nous sommes pays qui a boitillé. Même manger tout un luxe, pas de travail, pas de l'hôpital, pas de route, pas de l'école. Pas gen côté pour moun dormi, kayo mal construit, moun ap dormi sou moun, moun ap dormi mal dans pays, pas gen transport, moun ap mal voyagé, moun ap vive dans mal cité, moun ap vive mal, moun pa moun dans pays, moun pa vive tant kou moun dans pays, moun ap vive pi mal passé bête. Dans environnement, moun yo ap vive, son environnement k ap dégradé chaque jour, les la pli tombé, c'est rel ka makorel. Kay a perdu, jardin a perdu, bête a perdu, moun a perdu moun tout. Donc son pays qui a passé mauvais passe, son pays qui a passé mauvais moment. Un pays qui a passé mauvais moment politique, mauvais moment économique, mauvais moment social. Un pays qui a connu mauvais vent. Mauvais vent a soufflé sur pays. Qui modèle pays nous voulons, je dis à la. Mais il faut que nous rappelions que la situation que nous vivons là, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas bon Dieu qui raille nous. Ce n'est pas le royaume Guinée qui raille nous. Mais c'est nous-mêmes qui créons problème. C'est nous-mêmes qui sous problème. C'est nous-mêmes qui raillons propre tête, pas nous. Nous plus voulons faire étranger plaisir que nous faisons ça qui est bon pour tête, pas nous. C'est ça me décarrer la méchanceté haïtienne. Ou peut-être l'ignorance haïtienne. Nous identifier bonnet nous caille l'autre là. Nous battre bravo pour l'autre là. Pour tout ça qui importé. C'est ça Jean Prasmas décarrer le bovarisme collectif. Qui donc c'est parce que nous pas remettre tête nous.
c'est parce que nous pas décidé sous tête nous qui fait jodi a nous dans situation malouk n'a vive là qui fait nous pas d'accord pour nous prendre décision pour nous sortir dans ça nous là problème haïtien c'est haïtien encore m'pral ba yon exemple haïtien même manger diri pas vrai mais nous plus d'accord pour manger du riz blanc, du riz importé, du riz pépé, que nous d'accord pour nous créer propre production nationale par nous, alors que nous gen té, nous ka planter du riz. Nous aimons mettre belle rade, nous aimons habiller, mais pour qui ça? Nous plus aimons acheter pépé, nous plus aimons acheter bagay kay blanc, au lieu que nous d'accord pour nous mettre rad cap coude la caille nous haïtien penser depuis il pas mettre Puma li pas mettre Adidas li pas mettre Nike li pas moon sont mauvais pensées alors que l'homme met Puma ou met Adidas c'est entreprise qui produit Adidas là c'est pays qui produit Puma c'est pays qui produit Nike là ou a fait vin pi riche pendant ou même ou a détruit la caillou ou a détruit professionnel qui kon coud la caillou c'est ça que fait ou pral wè ou pa gen boss taille encore ou pa gen cordonnier encore donc c'est parce que m comprendre nous remè bagay qui facile nous pa vle prendre temps pour nous faire sacrifice pour nous construire mais nous plus remè al profiter de bien sans soué depuis ne pas construire tête nous il a construit tête nous pour nous. C'est un principe. La nature a horreur du vide. Qui modèle société nous voulons? Si nous avons fait l'histoire, problème nous sorti loin. Nous avons allé dans la période précolombienne pour nous parler de gens européens qui étaient venus, des chépillés, tout ça, l'or, diamant. Et même monde nous avons indien yo. Nous te prendre toute période coloniale là sorti 1492 pour arriver 1804 passer prendre dette de l'indépendance préoccupation américaine prendre diverses catastrophes naturelles tremblements de terre que nous connaît pour nous expliquer côté nous sorti. Nous te prendre plus loin nous là l'argent pétro-caribé problème mauvaise gouvernance par rapport nous te dit à ça qui la cause n'a vive jodi à la situation ça comme peuple. Donc ces résultats plusieurs siècles exploitation coloniale, post-coloniale, mettez sous exploitation capitaliste, bourgeoisie, compradora, à problème mal gouvernance, sans déclarer problème politique interne. Donc c'est ça qui la cause, nous n'en mira. C'est ça qui la cause, je dis, nous, c'est pays qui pi pauvre dans le monde là. Qui modèle société nous voulons? Dans souci, pour nous parler de cause, nous avons dit qu'il y a un trip hold-up qui fait ce pays là. En bon créole, gen trois dapiyamp qui fait ce pays a Jean docteur Fizemi te kadil dapiyamp économique politique yon dapiyamp épistémique dapiyamp économique là c'est que depuis naissance l'état gen oligarchie qui développé dans toute l'histoire pays a qui accaparé toute richesse pays a oligarchie ça qui formé un bloc monopolistique kembe pays a en otage y pas jamais créé conditions pour développer de pôles de croissance en dans pays a. Les anglais ont bourgeoisie revendait, une bourgeoisie comprador qui préférait acheter, vendre et puis faire bénéfice, mais qui pas jamais investi dans un projet national. Son bourgeoisie qui préférait acheter Delco au lieu d'aider l'État à développer système pour bailler courant 24 sur 24. Son bourgeoisie salope, une bourgeoisie malpropre qui préférait acheter machine 4 par 4 au lieu de faire route. Son bourgeoisie qui préfère vos petits yo l'école caille blanc au lieu ou investir dans l'école. Yon bourgeoisie qui préfère importer diri pépé au lieu ou investir dans diri la tibonite. Yon bourgeoisie qui préfère gen compagnie sécurité privée au lieu ou aider renforcer système sécurité publique là. Yon bourgeoisie qui préfère acheter gros chien mais de babele la caillou monter gros mi au lieu ou aider dans sécurité pays a. Yon bourgeoisie qui préfère acheter franchise qui gen douane privée au lieu ou payer impôt. C'est moun sa yo ki kembe peyi a en otage pendant plusieurs siècles capture économie qui fait nous non système inégalité qui fait nous dans ça. Dans tout pays capitaliste, c'est bourgeoisie qui fait développement. Mais les ça, gen on l'état qui intervenu qui permet de redistribuer ça yo fait comme plus-value
sous forme service. N'a privé sous ça dans émission, n'a rien pour nous parler de ça. Qui modèle société nous voulez? Gagne un d'appuyant politique qui fait sous pays a. Parce que malgré nous fin prendre indépendance, chaîne n'a toujours été dans l'esprit nous qui fait après indépendance nous fout touyer papa nation, nous assassiner. En psychanalyse, nous t'ai carré ça, un complexe d'Œdipe. Complexe d'Œdipe là, c'est un instinct agressivité Jean Freud de Cadil qui développait quand petit garçon dans l'âge petit qui fait le prend papa comme ennemi, qui fait l'envie touyer papa. Et bien c'est complexe ça nous développer. Depuis le commencement l'état, monde qui libéré nous, libérateur pays nous fout touyer pour intérêt mesquin pour nous cacher des privilèges post plantation et puis depuis les ça n'a bien un chien nous diviser nous pas jamais qu'à entendre nous son projet changement nous connaît instabilité sur instabilité nous connaît occupation sur occupation c'est blanc qui toujours vient fourrer joli pardonnez-moi pour expression dans affaire nous étaient esclaves nous étaient cocorates. Après 86 bataille faite pour mauvais pour voyer dictateur sanguinaire du Valier aller nous connaît transition pirade. Nous tournons dans une transition sans bout. La transition qui n'en finit pas. Gouvernement sous gouvernement. Coup d'État sous coup d'État. C'est coup de bas sous coup de bas. Trahison sous trahison. Nous avons tourné en rond. Nous tombons dans un cycle enfer côté ces vols, pillages, corruption n'a fait. Au lieu pour nous servir. Nous préférons détruire. Nous chitons fait élection. Gagote! Nous avons l'élection, mais c'est sélection. Parce que c'est blanc qui toujours vient imposer une série mal pour honte, une série voyou pour venir défendre l'intérêt pa yo. Pays a pris un mira pire avec tout gouvernement la honte, ça yo qui pral vin touye, yon après l'autre. Intérêt collectif yo. En Haïti, on toujours dit, par une lutte de classe, mais plutôt une lutte de place. C'est goumen nèg vinn goumen pour prendre place en société a vinn sous ses mamelles dans l'état parce que c'est seul moyen pour nèg sorti tête yo pour exister qui donc c'est la bataille pour pouvoir sorti bataille pour al sous ses mamelles bataille pour al tété bon jan let vet bataille pour al battre la poète dans consulat bataille pour al faire orgie dans hôtel à timoun bataille pour al bay moun graine bon graine mauvais graine bataille pour al sous ses graines tout. Nous prenons pays à nous faire tourner yon espace créé, yon bordel, nous cocoratiser pays à. Qui modèle société nous vle? Qui yon d'appuyant qui fait sous savoir en dans pays à? Depuis l'indépendance, nous gagnons un mauvais rapport avec savoir. C'est blanc qui, d'ailleurs, qui écrit histoire pour nous, système éducatif nous, c'est blanc français nous copier, en pile bagaille sous lit, nous aliéner, nous n'en obscurantisme total, nous n'en fait noir total. Yo fait nous comprendre qu'il dit nous ces affaires diab mais tombe diab yo marre l'esprit nous yo fait nous comprendre nèg noir inférieur yo quitte code noir promener dans cerveau nous yo empêcher nous penser pays nous de pas nous même yo oublier si nous gain propre langage nous si nous gain propre système sin pas nous si nous gain propre référence nous c'est savoir pépé a imposer nous ne pas jamais gon l'école qui a pensé pays ne pas jamais gon université qui a construit pays d'ailleurs. Pendant tout l'autre côté de l'université, nous-mêmes, c'est prison. Nous avons cherché fait. Nous pas investi dans savoir, dans mathématiques, dans physique, dans chimie, dans astrologie, dans astronomie. Nous avons qu'un bébé dans le fait noir, dans le rabodaï. Nous avons fait noir et puis nous dit nous marcher. Et bien, c'est normal pour nous casser tout dans notre jol. Nous. C'est normal pour nous tomber. C'est normal pour nous prendre gros saut. Parce que nous fait noir. Nous perdons route lumière. Qui modèle société nous voulons? Eh bien, c'est ça qui la cause de cette situation. Malachon, ça, je dis. Qui modèle société nous voulons? Est-ce que nous d'accord pour nous rester dans cette situation? Ça? Est-ce que nous d'accord pour ne pas gagner un pays, même genre tout l'autre pays? Nous d'accord pour nous avoir un grand goût dans le pays? Ya? Est-ce que nous d'accord pour ne pas gagner l'école toujours? Pour que l'école bolette qui a poussé dans le pays? Ya? Est-ce que nous d'accord pour Timon 12? 13 ans sans profession, dans prostitution. Est-ce que nous d'accord pour nous n'a pas quitté pays comme ça?
Est-ce que nous d'accord pour ZAM à Simaye, pour bandit prendre pays en otage comme ça, pour analphabète dans le Parlement, pour analphabète dans la présidence, analphabète dans le ministère? Est-ce que nous d'accord pour nous faire modèle politique ça? Est-ce que nous d'accord pour section communale, pour nous vivre dans le malabou toujours? Est-ce que nous d'accord pour une petite catégorie à bien vivre et puis majorité à manger ça, pas de manger? Pavle dit moi. Est-ce que nous d'accord pour ce soleil tourner un cimetière? Est-ce que nous d'accord pour bandit à tout étudiant comme ça dans le pays? Est-ce que nous d'accord pour mettre Doval par une justice? Est-ce que nous d'accord pour sénateur qui a rapport à gang dans le pays? Est-ce que nous d'accord pour président à faire guide touristique? Y a-t-il la paix pour la chirer parce qu'il gagne l'argent? Est-ce que nous d'accord pour institution nous yo? Pavle dit rien encore pour ministre à bail juge pression. Dans le bureau, yo, est-ce que nous d'accord pour nous avoir Michel Matéli président qui a descendu pantalon, qui a dit bêtises? Est-ce que nous d'accord pour jeunes intellectuels nous continuer à prostituer tête yo? Est-ce que nous d'accord pour jeunes continuer à venir mentir pour qu'ils joignent l'exil? Est-ce que nous d'accord pour Tchon va traiter nous de trou de merde? Est-ce que nous d'accord pour Dominicain prendre la rue pour demander mettre nous de autant coucher la caillou? Est-ce que nous d'accord pour se ramper? Pour nèg ap rampé pour jouer un job dans pays a, est-ce que nous d'accord pour ces gon police te dit pour ces madame nous y a coupé pour ka ba nous job? Est-ce que nous d'accord pour ces modèles société ça nous vle? Est-ce que nous d'accord pour moun pas respecter nous? Est-ce que nous d'accord pour ne pas gen dignité encore? Est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous d'accord qui modèle société nous vle? Pensez nous pas mos au monde. M'pense nous c'est monde même Jacques tout monde. M'pense nous ka sorti dans sa nouye là. M'pa gen solution miracle là. Met Lavel pa genyèl. Jameson ce n'est pas genyèl. Mais c'est ensemble pour nous joindre solution yo. Même rete croit. Solution yo faut que réponde à conjoncture. Ça nous relé solution conjoncturelle yo. Faut que structurel tout. Jodi a, li important pour nous joindre consensus politique ensemble pour nous définir avenir pays a. Un consensus politique qui permet nous organiser l'élection yo et puis permet pour pouvoir cap monter à redéfinir notre plan sauvetage national, cap définir comment pour l'État joindre moyen pour fonctionner, comment pour dirigeants qui t'a mal géré l'argent l'État remettre peuple à l'argent et ça yo qui mérite pour saisir bien yo, pour saisir bien yo, ça qui mérite à l'emprison pour aller en prison. Qui modèle société nous voulons? Je pense, je dis, il faut qu'on ait des stratégies. Stratégies pour nous mettre campé dans une structure évaluation pour nous, ouais, ça nous gagne, ça nous besoin. Cap ouvrir pays à la diaspora pour venir by expertise, cap développer stratégie développement endogène avec exogène en même temps. Ça veut dire cap chercher développer potentiel productif nous, production locale nous. Mais cap chercher opportunité sous marché étranger à tout. Ça m'a dit un plan économique bien élaboré, cap développer coopération avec pays sud yo, mais qui pas minimiser coopération avec pays nord yo. Nous pas qu'à vivre pour compte nous, mais ça m'a dit un pile stratégie. Ça m'a dit compétence, ça m'a dit volonté, ça m'a dit lucidité. Nous pensez modèle société nous voulons. Nous gain là, c'est pas lui nous voulons tout bon. Mais c'est dans l'effort, dans le sacrifice pour nous faire, pour nous arriver à gagner des mêmes. Nous avons un pays, même genre tout l'autre pays. Nous avons vivre la caille. Nous avons l'école la caille. Nous avons arrêté chita la caille. Nous avons manger la caille. Nous avons route. Nous avons gratte-ciel tout. Nous avons lumière tout. Nous avons stade sportif. Ce n'est pas stade fictif la mode avec Olivier ou non. Oui, nous sommes capables. Mais il faut que nous commençons à penser Haïti. Kounia. Bon, ça c'était éditorial jeudi. Monsieur, qui modèle société nous voulons? Alléluia. Et John, et l'infini m'attend des éditos là, ça a présenté nous un sentiment mitigé entre la tristesse et la joie. Nous tristes parce que tu viens de présenter sur une liste non exhaustive
y a un ensemble de facteurs, de causes qui mènent nous là. Et vous posez un peu la question, est-ce que nous sommes d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord pour nous continuer à vivre, j'en ai vivre là. Et c'est ça que fait dans le micro, ça, là, chaque dimanche. Et bien, c'est valable pour James Rosley. Nous ne sommes pas d'accord. Et puisque nous ne sommes pas d'accord, nous mettons main nous dans la patte là pour nous changer ça. Donc, quel modèle de société que nous avons besoin aujourd'hui dans notre pays? Moi-même, pas pour répondre, mais m'a dit d'entre Dieu, genre que me toujours dit, actuellement, nous pas en société. Nous, non, bouté, côté que on équipe être vivant, cap move là-dedans. Parce que la logique de société, ça a une histoire, ça a une condition pour parler de société. Et nous pensons que nos ancêtres, ils ont compris ça, ils ont visé ça et ils ont élaboré un projet de société qui malheureusement vient galvaudé par les gens qui viennent après eux. Au point que je dis, pendant 10 dernières années qui passent, nous venons voir l'utilisation de la société haïtienne, de la nation haïtienne, côté que on lutte acharnée entre l'intellectualisme et le voyoutisme. Et c'est le voyoutisme qui, jusqu'à présent, a triomphé. Quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans la République, ben c'est que aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'utiliser pièces mots, consternation, nous condamner. Les mots ne valent plus rien dire aujourd'hui. L'heure n'est plus à la parole. L'heure n'est plus à l'âme de la dialectique, mais plutôt l'heure est à l'action. Dans l'un ou l'autre cas, d'une manière ou d'une autre, l'heure est à l'action parce qu'aujourd'hui, nous vivons le siècle du voyoutisme en Haïti. Et la voyoutisation de la nation, du pays en général, entraîne une banalisation de toutes les vertus. Aujourd'hui, nous assistons avec la mort dans l'âme, l'incendie de l'école normale supérieure. Et moi, je considère ça, malgré dans ma grande tristesse, comme un pas géant dans la réalisation du projet PHTK. Parce que le régime PHTK a gagné comme une mission qu'il tient à cœur. C'était fini avec question éducation, hein, mon éduqué dans le pays d'Haïti. Et moi, m'a fait des références depuis sous ma télé, il prend par la parole plusieurs fois pour le montrer qui ça utile intellectuel. Il comprend peut-être, par exemple, il dit pas moi, je dis. Hein. Et nous pas jamais oublier que lutte ça a lancé depuis le ma télé, le symbole parfait du voyoutisme. Et l'intellectuel de Bello, Madame Maniga, t'es en face li non élection piqué collé quand même et que t'es arrivé remporter élection ça et li dirige même pays ça et li reconduit propre tête li en la personne de Jovenel Moïse. Jodian, nous constater que non seulement l'école, moi-même depuis m'étais Simone, c'est sous gouvernement ça que m'assister à tant de mobilisation des professeurs, des enseignants, peut-être yo pas joindre ça que yo qui revient au de droit et qui t'a qu'à considérer comme un exhausteur pour encourager yo enseigner davantage et montrer à tout le monde que et la voie de la réussite c'est l'école que lié. Mais au contraire, l'État voyou ça li mette tout professeur en condition pour y écraser, briser, même si on enseigner. Donc, tout le monde, d'ailleurs, on n'enseigne pas ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on est aussi. Donc, il montre à tout le monde, même si on a l'école, là, c'est temps perdu, mais moyen pour réussir, c'est dans écraser, briser, c'est dans violence, c'est dans voyou, et c'est dans faire des actes malhonnêtes. Et je dis, nous, comment, dans un cadre bien planifié, et pouvoir organiser un assassinat, un génocide, sous école normale supérieure. Gen moun ki ka pense que lorsque les agents du G9
en famille qui affecté au palais national à l'attaque un groupe étudiant et dans l'enceinte de l'école normale. C'est comme si son bagage qui fait de manière hasardeuse et qui rivait. Mais je vais dire quelque chose. La première chose qu'on doit souligner, c'est que la loi sur la législation scolaire fait de l'espace scolaire un lieu inviolable. Donc, même si un étudiant ou un élève a une contravention avec la loi, dès que l'INA espace l'école côté lié, aucun policier, aucune autorité pas gain droit entrer dans espace ça sans l'assentiment du gérant de cette institution. Pourquoi constitution elle est consacrée justement l'inviolabilité de l'espace universitaire etc. Ouais. Donc aucune autorité pas gain droit franchir espace ça sans l'assentiment du gérant de l'institution pour t'a procédé à une quelconque arrestation de un étudiant. Ça c'est un. Deuxièmement, étudiant yo a fait un sitting en dans faculté a qui pas nuit. D'ailleurs, qui premièrement son droit que yo gagne. Deuxièmement, un mouvement qui pas nuit à fonctionnement société a nan rien. Troisièmement, yo nan un espace inviolable. Mais comme et pour voir ça, dès son arrivée, d'ailleurs, li vini avec c'est la voyoucratie au pouvoir. Donc, l'a fermé l'école, nous-mêmes, nous n'a pas étudié pour n'aller faire l'école. Pour n'aller faire l'école, pour qui ça? Donc, non seulement li voyé en groupe et dans représentant G9 qui n'a pas l'air habillé avec uniforme policier à l'attaque, monsieur Sayo. Et faut me dire pour tout le monde, j'ai l'impression et les membres du G9 qui ont tiré sur les étudiants, j'ai l'impression yo pas de connaître si sont seuls yo prend parce que c'est la chasse y aller. Donc yo tiré par contre qui ça étudiant gain avec et gain sous yo, chance pour c'est un seul qui victime, mais yo te tient à ce que moun yo rivé prend yo faut que yo mouri, yo pas ba yo crasse possibilité pour yo joindre chance pour yo ta aller l'hôpital avec moun qui atteint yo. Me dit yo parce que c'est vraiment un miracle qui fait que c'est un seul y arrivé prendre dans chasse que y a le faire, mais c'est objectif là c'était à le bombarder, à le tuer un groupe monde qui voulait faire obstacle à un plan que pouvoir gagner depuis le monté qui s'est fini avec question l'école, montrer que l'école pas ba rien et fait de nation ça en jungle côté que ses amours pour gagner dans monde pour réussir et même si réussir pour un jour pour deux jours, c'est comme si la mort d'aujourd'hui ou de demain, c'est toujours la mort, c'est défunt. Donc on va mourir quand même, mais ou arriver abouti à en satisfaction. Donc face à situation ça, est-ce que nous ca parler de société d'ailleurs? Pour parler d'une société, il y a un ensemble de principes qui doit établir et pour principe ça établi, faut que monde qu'à l'école, non seulement pour élaborer mais aussi pour véhiculer pour permettre que monde ca et intégrer principe ça et appliquer tout. Mais quand on passe de un ordre démocratique à un ordre voyoucratie que monsieur Sayo instauré dans pays a depuis arrivé yo. Donc, jodi an nou pa gen société. Là, nous avons un état de siège. Ou pas qu'à parler dans le pays. La presse muselée, la presse est bayonnée. Et c'est vraiment un état de siège. C'est ça. Donc, et moi, je peux aller même plus loin pour dire que actuellement, Haïti n'existe pas comme société. Haïti n'existe pas comme nation. C'est vrai, pour avoir une nation, il faut qu'on ait un territoire, une population, etc. C'est vrai, qui est fondamental, non, c'est le vivre ensemble. C'est ça. Donc, ça veut dire que nous avons perdu de tout ça. Et moi-même, moi, j'ai des gens qui ont parlé de. Qui ont dit qu'il faut qu'il y ait une loi pour faire. Je dis ça aujourd'hui, il me prend responsabilité. Moi, Haïti n'a pas de problème de loi. Haïti a suffisamment de lois pour le tap marcher fonctionner tant qu'on pays. Moi ri de moi un gros sénateur qui tap défendre Garcia Delva qui pas utile en yo tap mandé mais comment fait voyer ça il dit oh et loi al fait al font loi sur culture. Mais c'est pas une loi pour copier ba un sénateur pour utile mais c'est surtout veiller à l'application des lois existantes. Haïti a suffisamment de lois, te qui tan gen loi qui prévoit que
aucun voyou, aucun membre du G9 affecté au palais national pas gain droit à violer enceinte en université. Donc ça veut dire c'est pas loi que pas gain qui fait jodi en président gouvernement voyé à l'assassiner un groupe élève école normale pour que le fini à question l'école dans pays a, mais c'est juste parce que pas gain application. Donc là nous arrivé là jodi, on pense que ça fait longtemps on a dit moi école normale direction envoyant ti note pour dire condamné. Et tout le monde condamné, tout le monde consterné, même pas si aujourd'hui, l'heure n'est plus à la, consternation, à la condamnation par parole, mais l'heure est à l'action. Il faut à la mobilisation, collective. Et cette mobilisation se doit d'accompagner de l'action. Quand je dis l'action à la manière de nos ancêtres, et en 1803-1804, ils ont été estimés dans un premier temps, ils ont fait mobilisation, ils ont fait rassemblement, ils ont sonné l'ambi. Et là, ils ont rassemblé, ils ont commencé à protester. Et comme on va nous dire avant de passer James Osney, mettre la velle, c'est que les tyrans ne partent pas en un jour, mais ils partent toujours. C'est ça. Et j'allais ajouter ça. Aujourd'hui, nous avons affaire à des criminels du type de psychopathes. En tant que tels, eux, ils sont dépourvus du remords. Ça veut dire, même si par un Grégory criait, les traînait rat sale que les utilisait pour le sauver, monsieur. Eh bien, ce psychopathe-là, il a récidivé pire, il n'a pas gagné capacité de prendre conscience. Mais il n'a pas sous ton note, non, dans le gouvernement. Juste, mais il est conscient. Pour une fois, il font bagarre parce qu'il n'a pas de moquer par an. Au contraire, moi-même, je m'attends pour voir assassiner Dame Sato, qui c'est Maman Grégory, parce que pas gagné rien qui peut le faire vivre à un goût dans le bouche encore. Donc, demandez-nous, et gouvernement, voyez assassiner Dame Sato tout de suite. Et pour nous retirer la souffrance, ça nous mettre là parce que pas gagné rien encore pour le faire vivre. Mais c'est projet ça, Nègre. Justement. Nègre, on projet, il va parler de ça. PHTK a un projet de nouvelle bah James et politologue. Monsieur, politologue la frais, monsieur. Justement, mais franchement. Politologue la frais, monsieur. En tout cas, et monsieur mettez le dans dimension. Et un politologue digne de ce nom. Justement, et c'est des monde qui t'a qu'à utile pays. Absolument. James Osney. James Osney, nous passons au compte. Et nous avons remarqué, forme du public, là, ça, je dis, m'a parlé avec un sentiment de désinvolture, un cœur déchiré parce que on ne peut pas faire ça à une nation, à un peuple. Nous sommes quand même un peuple, comme tous les peuples du monde. Aujourd'hui, nous avons une structure politique qui nous est propre et qui ne ressemble à aucune autre structure dans le reste du monde. Cette situation de voyoucratie qui prévaut en Haïti aujourd'hui, il faut la combattre par tous les moyens parce que ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas rester comme ça. James Osney, regardez où ces nouvelles, ça va venir jouer nous. Négap. Nèg ap chasse étudiants en cours oiseaux dans pays a et nèg ap éliminer moun comme ça dans pays a qui ça vinn joindre nous. Ben juste avant John Wesley Delva qui te me remercier ou pour belle éditorial ça au fait c'est une radiographie de toute réalité pays a hein? et c'est triste que c'est dans terme ça on a décrit Haïti et ceci depuis longtemps et me gain impression dans un bon petit temps encore qu'a venir n'a toujours parlé de même bagaille ça yo et m'a remercier collègue Lavelle tout qui feront belle râler sur réalité pays moi même ça fait depuis quelque temps que John Wesley Delva m'a demandé tête moi qui côté ne praler est-ce que n'ca pi bas toujours. Et moi-même, compte chaque jour passé, je descends plus bas. Accordez-moi une minute dans ton là, James. Il y a des gens qui disent mais est-ce que vous êtes ouais, ce président qui vous a tué? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Lorsqu'on prend le pouvoir dans le pays, ou prend avec actif ou prend avec passif. C'est vous-même qui êtes responsable de sécurité de tout le monde. Je dis des policiers, ben, des membres du G9 affectés au palais national à assassiner des étudiants dans l'enceinte de l'école normale. Quitte c'était président ou pas, le président, la présidence a sa responsabilité dans sa rivière. Je dis, si c'est l'école normale qui était classée comme meilleure école d'enseignement supérieur dans le monde, le président a battu l'estomac, c'est pour lui. Donc, m'espérer que les gens qui ont gardé l'émission, qui ont suivi l'émission,
faut que nous apprenions mettre nous dans dimension pour nous comprendre certaines réalités. Quand on dit que quelqu'un occupe une place dans la fonction publique, il prend toute sa gain comme honneur, comme gloire, comme avantage, mais il prend avec passif li tout. Gon ensemble de choses là, arrivé dans pays, il arrivé sous responsabilité dirigeant pays, président pays, encore plus agent qu'al sacrifier, qu'al massacre étudiant, c'est des agents de l'USGPN qui affecté dans le palais national. Donc, je reprends encore. Merci le président d'avoir assassiné et incendié l'école normale supérieure. C'est un pas géant dans la réalisation du projet PHTK. Et tout de suite, n'attendons pour l'assassiner par un jeune garçon ça, parce que papa continue à vivre après le drame ça. Ouais, merci, M. Lavelle. Oui, John Wesley Delva, vous m'avez dit à qui sentiment que moi accueilli nouvelle ça. Moi, oui. Ça fait un bon bout de temps et je dis à moi, t'as parlé avec un ami. M'a dit que nous songeons, il y a de cela quelques mois, t'es gagné un monde, y'a tué. Yo décapité et yo met tête li son platine, y a exposé sur les réseaux sociaux. Mais vinn wè que nous perdu capacité pour nous étonner devant la vie. Me rappelim encore John Wesley Delva, M. Lavelle Joseph, auditeur auditrice captain de radio a gon lè gon jeune garçon, jeune homme, yo mette le bon lanmè, yo tiré la en gros mitrailleuse. Après ça, il dit prend moelle tête là pour nous manger du riz. Donc on vient ouais que nous avons une espèce de déshumanisation totale, nous perdu tout ça qui fait nous monde sensibilité, nous étonnement, nous pas sensible pour rien parce que monde c'est pas seulement un bras, une tête, deux pieds. Donc c'est capacité de sensibilité ou capacité pour étonner. Donc situation ça yo pas seulement lié avec quartier défavorisé yo à groupe gang yo policier yo c'est dans société a yo sorti moun k'ap fè politique qui vinn sénateur député président c'est dans société a yo sorti donc ça pas trop étonné le moins que un policier pas considérer la vie moun. Un policier haïtien pas considérer la vie moun. D'ailleurs ouais les policiers yo ap sorti avec comment yo sorti, qui sa yo posé comme action. Donc ce sont des membres du corps social en général. Mais maintenant, à la question, qui modèle de société que nous voulons? Moi, je pense que son question que nous t'as supposé à poser tête nous au quotidien. Et moun qui aspire pour venir diriger pays a, moun qui a dirigé pays a, chaque jour yo t'a doué à poser tête sur qui société nous voulons? Jean-Jacques Rousseau, sur la question de la nation, sur la question de la patrie, il écrit à la Pologne, John Wesley Delva, un texte que je trouvais assez intéressant, qui dit que seule façon que nous sommes capables d'alimenter le vibre patriotiste chez l'humain, chez l'individu, c'est par l'éducation. Au point que la société témoigne, l'y sentit que la pralée l'aide de la patrie. Au point que l'y existait parce que l'y non corps social, bon esprit de corps, un esprit de communauté. C'est par l'éducation. Donc l'éducation, l'y gagne un rôle fondamental dans la construction du citoyen. Si je dis, si moun pa ka à l'école, dans le lycée, au plus bas niveau, yo pa ka à l'école, ça veut dire très clairement, John Wesley Delva, non pa ko paré pour faire société. Si je dis à John Wesley Delva, si moun pa ka à l'université, ça pa dit rien à personne, non pa ko paré pour nous faire société. Si je dis à John Wesley Delva, moun pa ka manger par exemple ou dit tout à l'heure et deux jeunes qui a quitté pays a pour parti aller près exil deux jeunes cadres qui dans pays a qui a quitté pays a pour aller chercher pain quotidien et là arrivé gagne un gaspillage de ressources. Moi je vis à l'étranger, je vois des gens
qui sont extrêmement formés, qui font travail qui pas correspond à ça au gain comme bagage, comme compétence. Donc tout ceci pour te dire, John Wesley Delva, pour te dire, mettre la veille Joseph, moi j'ai l'impression société que nous voulons, hein? Son société côté que haïtien li nan pèlerinage la caille, il a passé. Société que nous voulons, son société côté que jeune n'a pas capable espérer, parce que le fait de pouvoir espérer, le fait de pouvoir rêver est révolutionnaire. Et me dit ça déjà dans l'émission. Le fait que me rêver, me cap dit ben jodi a me 18 ans, m'ta aimé aller étudier dans l'université, après l'université a m'ta aimé vin sénateur, député, m'ta aimé vin homme d'affaires, donc gain de conditions pour exiger. Donc il faut tuer le rêve, il faut tuer l'espoir, c'est cette société dont on veut. Mais son société tout côté monde qui grand monde, yo, les aînés, les personnes âgées, yo pas qu'à reposer en paix malgré tout travail que yo fait, malgré tout support yo ak société a, yo pas gen droit à la quiétude de l'esprit. Donc on vient trouver que son société côté l'enfance est détruite. La jeunesse n'existe plus et la vieillesse, on n'en parle pas. Parce que leur fait, ensemble de encadrement, de bah, ou t'as qu'à joindre, ou pas joindre, je dis à un petit monde qui fait Haïti. Leur a grandi en tant que jeune, ensemble de conditions matérielles pour t'as joindre. Par exemple, centre sportif, parc pour mon âge jouer, pour qu'on ait, ou pas jeune. Ou commencez pour trois la vie à sous dos depuis 12 ans, ou a réfléchi qui ça pour faire. Donc au final, on vient joindre nous à qu'on zamman. Mais on John Wesley Delva. Mon ami, mais pour pas coup pour James, mon ami qui remet dit, puis gros cadeau qu'a offert petit tout, c'est pas fait l'Haïti. C'est ça. Au fait, on vient vivre dans une situation côté que ou pas ou a pensé vivre avec vie petit tout ailleurs des frontières du pays. Tout ça pour me dire non. Mes chers amis, c'est que la société que monsieur a réfléchi, et même pensez que c'est pas seulement PHTK, c'est pas seulement Lavalas, son projet, son sodia, depuis après l'enmol l'empérait. Donc le fait que nous pouillons pas panation, hein, nous dit que nous n'est qui société, son société côté que nous pas capable de consensus, c'est dissensus, ou bon opposition, je dis à la, les pas 40 ans, ni divisé pour 200 000 dollars américains, ou les deux monde qui aspirent à la plus haute magistrature du pays, ils divisé pour 200 000 dollars. Deux monde qui a réfléchi dans la radio, qui a parlé, yo divisé pour 50 000 dollars. Je dis à deux monde qui étaient très progressistes, qui étaient gagné les plus belles idées, les plus grandes idées progressistes, mais yo capitulé pour quelques centaines de dollars ou pour quelques milliers de dollars. Donc, nous besoin société côté citoyen, pas de conviction, c'est société, ça que n'a y a construit, je dis à. Mais la société que m'ta aimé et c'est ça bon n'ayez ou les ça en société de pragmatisme, c'est ça. Mais au nom de ce pragmatisme, James Osney, et on se permet n'importe quoi, et les minéra besoin fait ça le veut du à même pragmatique, très pragmatique, c'est à dire au nom du pragmatisme on se permet de ne pas de ne pas avoir d'idéologie. Ne pas avoir de conviction. Et à partir de là, des fois, les regards les pragmatistes, je vais dire ça aux hommes et matin, je vais parler. C'est des gens qui juste ont utilisé des bagages. Premier bagage qui arrive, c'est que la majorité des gens qui ont fonction en Haïti, surtout dans haute fonction de l'État, ou même ils n'ont pas de fonction. Des fois, ils ont utilisé en qualité de thème, même ils n'ont pas de thème. C'est juste qu'ils ont plagué. Là, on a dit au pragmatisme. Au pragmatisme, en fonction de l'application d'une théorie. De yon loi, ça veut dire ou très pragmatique, ça veut dire principe institution, ça principe là, vle tel bagay ou même dès qu'on rivo, mette l'en pratique. D'abord, le yon bagay face à l'intervention de notre estimable confrère James Osney, qui t'a parlé de question l'enfance, ou pas jouer en rien, jeunesse à l'idée tuer, et tout rêve est tué dans l'œuf. Donc aujourd'hui, être né en Haïti, ou pas gagner, on ka planifier comme projet. Mais heureusement, nous sommes un peuple ayant un courage extraordinaire. Un peuple au courage des reins. Donc, je prends l'exemple, maman Grégory,
Le loi société a comme ça, il dit tête, il même il déjà passé, mais là, font investissement. Ils font investissement dans objectif pour tirer en fierté dans vieux joli et pour préparer un départ en paix, en bonne forme, les l'a mouri, les l'a fait dernier voyage pour le connaître le grand petit que il était préparé. Peut-être ça, il dit peut-être au lieu de manger fruit courage pour le bien manger, ventre li plein pour le dormir, il était souffri. Au lieu d'acheter un bon rad mettre sous lit, il était souffri, il était pas ça, il marchait pied à terre, il investit. Non, on ti moun qui sont investissement, même gens en capitaliste, on moun qui dans commerce comprendre ça, ça veut dire un investissement. Lui même il investit dans progéniture ça pour que demain condition matérielle progéniture ça pas vienne dans même état pas là, mais tout pour quitter un monde pour société a, et aussi pour prendre un repos honorable. Aujourd'hui, même l'état ça doit faire ça le faire parce que nous tout monsieur qui vivent ici dès qu'au fond ti moun c'est déjà un ti moun l'état a gen yeux sous lui le jour ou pas capable à prendre et c'est ça qui fait après tout ti moun qui handicapé qui gon problème nous l'état mette centre pour yo li ba yo. Donc travail pour l'état ta fait là li pa fèl li fèl pour l'état sécurité pour l'état ta bay ti moun ça li pa fèl mais li prépare produit ça qu'on y a pour l'état ta vin prend tout fait pour l'utiliser parce que l'état gen mission pour préparer société à et pour le présent et pour le futur parce que quand on est donc nous pouvoir, avons un état contre la société qui est contre la société oui. Donc aujourd'hui nous pas qu'à parler de l'état nous qu'à juste parler des ennemis de la société on ba yo rele en sciences po en concept nano état c'est pas on n'a pas un état en Haïti et si on regarde suivant les théories de la science politique ça nous gagne là en Haïti on pas cap définir comme l'état parce que dans toute conception dans toute définition ta cap bail l'état haïtien il pas semble à qui soit pour l'état moderne d'ailleurs un élément définit à moderne c'est la souveraineté ça n'existe pas en Haïti dans un contexte de mondialisation souveraineté à liporeuse mais par contre gagner quand même en forme de d'état national. Un combat qui est simple, John Wesley Delva. Le contrôle du territoire, le monopole de la violence légitime. La fonction régalienne. Non, là c'est beaucoup plus important la fonction régalienne, comme si santé, sécurité, éducation. Là ça nous non l'autre bagage. Mais ma parole, c'est capacité que l'État tague là pour empêcher menaces externes et internes. C'est ça le monopole de la violence légitime. C'est la capacité de l'État de se protéger contre les menaces venant de l'extérieur et de l'intérieur. Bon, de l'extérieur, n'en parlons pas. Même ça si c'est demain dit le et pas c'est pas besoin nous. Si c'est demain dit la prend nous là. Si c'est demain dit la prend va nous là. Qui ça camper nous. Rien du tout. Mais maintenant, c'est que sous même petit cal territoire ça, il défie l'État. Gen de côté l'état haïtien pas ka aller. Gen de côté jodi a Jovenel pas ka aller tout simplement. Gen de côté jodi a des élus de la République pas cap aller en homme d'état. Ou bien si pour l'aller faut gen tan gen 1000 ou comprendre gen ti arrangement qui fait, gen corruption qui fait, gen chef bandi ça pour contacter. Donc ou pas gen monopole de la violence légitime, c'est la première des choses. Et mais aussi m'a dit un dernier bagage m'a pral baou tout de suite. C'est la question de la fiscalité. La question de la fiscalité, je vous dis, l'État haïtien n'est pas capable même prendre taxe au monde. Il n'est pas capable de permettre, pour dire, bon, m'a retiré de franchise que m'baye à un ensemble d'autorités économiques ou financières dans le pays. Il y a des gens qui disent, l'État n'existe pas en Haïti. Mais même moun yo pa ka konté, c'est au crime dit ça John Wesley Delva. Même moun nou pa ka konté. Nou pa ka konté. Non, depuis 2003, nous font recensement. De 2003 à 2020, ça fait 17 ans. Donc je dis à mettre la veille Joseph, l'état haïtien pa konté au Canada.
L'État haïtien par contre si John Wesley Delva Canada, il pas connaître Sim Canada. Donc nous pas qu'à compter moun, nous pas un contrôle sur quantité moun qui a sorti, quantité moun qui a entré frontière nous yo sont savants. Donc pour moi, ce qui existe en Haïti, c'est pas un état, par contre comment que nous cabreler ou bien son état atypique. Ou bien pas l'état du tout. Bon, même par contre, comment nous sommes capables? Bon, c'est un groupe de bourreaux qui gagne des armes. Parce que ça me t'a souligné, James Ossé, c'est que l'autorité de l'état, ou à parler, c'est pas une autorité qui est établie par la force des armes. Et je veux que ce soit clair pour tout le monde qui a suivi l'émission. L'autorité de l'état n'a pas résidé ni résumé dans la question du rapport de force. Mais les résumés, les résidaient dans la confiance et l'approbation de ses dirigeants, de la population. Aujourd'hui, je dis, on a parlé, et la police n'a pas gagné moyen, pas gagné ceci. Haïti, par comprendre, notre pays tout petit, c'est plus pays qui gagne plus entité que pour ZAM dans le pays. Ça. Dans la police, a tellement gagné corps et qui gagne des armes, vraiment des armes de guerre dans le pays. Il y a assez de zap dans le pays pour un président a dormi dans la rue. Moi, je voulais tout le monde comprendre que l'autorité de l'État, l'État a dit qu'il établir l'autorité, ce n'est pas plus zap pour le gagner, ce n'est pas plus nek gang pour le mettre à côté, c'est gagner la confiance de la population en respectant les promesses, en offrant à la population les services de base, vraiment de base, vraiment de base, et le ça. Ou jouen approbation publique là où c'est chef et m'a préféré à Maurice Druyon, politologue peut-être de la trempe de James Osley. Oh non. Je dis le chef n'est vraiment chef que du consentement de ses dirigeants. Donc le ça qui tout là qui tout par là tout le monde ouais l'état à travers eux vous. Yo pas besoin de dire à mes président qui a passé là parce que yo ouais un paquet membre G9 en uniforme qui a bail pression qui a marche qui a passé machine sous marchandise ti maléré monde qui t'a marché à côté route là ou machine l'état craso tout récemment m'a regardé un jeune homme pied monté mais hauteur sa jeune garçon perdu en pied qui s'est passé en cortège qui a passé le té bon route là en machine passé le prendre pas même grand monde qui songeait que yo frappe un monde même pour yo voyer en délégation à l'OSA et cetera et puis ça a été pour lui il perdu l'école il perdu toute sa ta carrière dans la vie donc c'est on l'état ennemi son l'état oppresseur son c'est pas un l'état utile donc le monde a choisi l'état d'ailleurs James Osney John Wesley Delva nous connaît dans qui contexte le thème le concept l'état qui créé c'est pour harmoniser rapport aussi là nous t'a fondé en société corps social là pour tout le monde pas venir faire en cacophonie etc. cetera yo met au monde qui choisit son base ouais, pas l'état c'est une donnée historique il gagne côté sorti l'état oui. Pas fait avec société a c'est au fil à mesure que vienne gagner l'état ça. C'est on dit c'est on son expression de la modernité mais non c'est à partir d'être hétéro-westphalien. Absolument. Donc, si, le thème de relations internationales. Donc, je dis, et à partir de tout ça, qui ça nous gagne en Haïti? C'est Haïti, nous pas parler de l'État. Et dès que nous ça nous gagne, nous pas parler de l'État, nous pas parler de société haïtienne tout. Je dis, il y a des gens qui ont pensé son problème gagne, mais non, au contraire, ils souffrent de ça. Parce que nation, nan, pays, nan, société, nan, quitté cadre société, je dis, pour le devenu en jungle. Côté que, bon. Aujourd'hui même de jungle nous presque pas qu'à parler parce que dans jungle c'est comme si ouais gon ligne de conduite gon gen on bête yo quand même qui gon certains niveau de pouvoir ou de responsabilité mais aujourd'hui ce que nous voyons en Haïti là nous par contre qui jeune carrière nous entrons dans un débat et qui est intéressant c'est état et société donc comment l'état lie articulé dans la société et comment la société a lui-même influencé l'État. Et je pense que là, nous avons une dialectique sans nous pas connaître. Mais même situation, je vis là, et James Osney, M. Lavelle Joseph, lui renvoyer à la théorie du contrat social et de l'état de nature, pardon, et de Jean-Jacques Rousseau, Hobbes, etc. Et que nous avons une situation, antisociale. Côté que c'est la loi du plus fort donc je dis à là on aigle ni crété le
li vle ôte la vie à un monde, li fèl carrément sans que le pas risquer aucune peine. Donc un chef décidé, li volait tel monté, li prend tel vle et même gens ça t'est qu'on fait justement à l'état de nature parce que pas gain loi, pas gain principe pour faire ça ou vle, nèg monté sous terre ou vle etc. Eh bien, nous sommes dans cet ordre-là. Nous n'avons anomie totale dans le pays. Nous avons une espèce d'anomie côté que les normes ne veulent absolument rien dire. Les lois ne veulent rien dire. La Constitution est un vain mot actuellement en Haïti. D'ailleurs, si on a parlé de Constitution en Haïti, on parle de n'importe quoi, parce que nous fait ça ouvler, autant des coups de gens ouvler. Donc, nous avons une société qui n'a pas gagné, qui n'a pas une base normative. Et que Mounio, tu as écouté dit tout à l'heure, Mounio pas intériorisé et Mounio yo fait ça ou vle dans pays. Donc c'est ça, c'est dans ça nous là. C'est le chaos total en Haïti et ça qui a passé là, les illustré éloquemment la théorie de l'état de nature. La théorie de l'homme est un loup pour l'homme. Imagine John Mkoupeo, pour des étudiants font sitin pour pouvoir voyer tout yo. Et tout ça... yo est visiblement comme ça, ba yo zam réel, coup de balle réel et puis bombardé à gaz lacrymogène pour ça qu'atteigne pas qu'à l'hôpital. Ah ben c'est ça on a parlé là. L'état de nature c'est l'absence de l'état. C'est que l'état n'existe pas et que les citoyens ils sont livrés à eux-mêmes. Et parce que ils sont livrés à eux-mêmes, donc droit de vie au menacé. Et c'est ça qui va le bail naissance à la société. Yo. Bon, dans le cadre de la perspective contractualiste, là. C'est ça que peut faire société au vin exister, parce que la vie pas nous menacer collectivement, maintenant il faut survivre. Au nom du droit à la vie, au nom de la conservation, donc il faut que nous survivions. Maintenant pour nous survivre, il faut un pacte. D'où la naissance de l'État. L'État c'est un pacte social. Mais... il est nécessité aujourd'hui, il y a nécessité de faire ce pacte-là ou d'élaborer un nouveau pacte social. Ça, justement, il y a appelé on est dans la presse sur les contrats sociaux-là. Il nous faut un nouveau contrat social dans ce pays. Il faut nous redéfinir qui modèle l'État que nous voulons. C'est ça l'important. Parce que nous avons l'État, je vous dis à la qui en décomposition. Nous avons l'État qui a absenté de plus en plus en d'un pays, qui a disparu. Qui a déresponsabilisé comme l'État. Ou bien qui a pris l'autre forme. Qui a perdu l'essence. Parce que l'essence de l'essence de l'État, elle est répressive, de toute façon. Elle est coercitive. Maintenant, on n'est pas capable d'exercer. Nous t'ai parlé de ça, Sauber et Weber, qui n'ont pas exercé le monopole de la violence légitime. L'a perdu dans l'essence. Je dis à là, nous avons besoin en l'État qui est capable de renouer avec son essence. Et John Westedel. D'où la nécessité, James Sosney, mettre la belle Joseph, d'un pacte social. Et pacte social, ça, c'est qui ça? C'est un acte politique. Parce que l'IPRA le fait entre nous dans la société. Là. D'où l'importance de la politique. Avec des gens sérieux, des gens honnêtes, des gens de vision. Compétents. Qui sont capables de définir qui modèle de l'État que nous voulons. Yeah. Pour qui société? Parce que c'est une question qui est existentielle. C'est quelle société? Quel État pour quelle société? C'est parce que modèle l'État, on doit avoir un modèle l'État pas adapté. La société que vous gagnez. Je dis à la, nous non l'État, on dit, on qualificatif, on l'État, entre guillemets, qui non, on néolibéralisme, donc, qui non, ça n'est que le consensus de Washington, là, pas là, non? C'est-à-dire que c'est FMI, c'est la Banque mondiale, c'est la multinationale, c'est eux-mêmes qui, justement, qui a décidé de l'avenir l'État, ça y est. Bon. Les États périphériques. Je dis à la fin de définir modèle l'État, pas nous. On l'État qui est capable justement de répondre à la réalité société noire. On l'État qui a adapté justement un ensemble de décisions par rapport à la réalité que nous gagnons comme peuple. Même je ne sais pas si dans mon motion, mais ils comprennent plusieurs bagages. C'est que il me semble, hein, peut-être que me tromper, peu de réflexion qu'a fait jeudi en Haïti sur Haïti. Il y a peu de monde, peu d'intellectuels qui a réfléchi sur Haïti, sur société, sur l'État en général. Par exemple, tu as parlé de contrat social, du contractualisme avec Hobbes. Et l'une des missions fondamentales du Léviathan,
c'est d'assurer la sécurité des individus. La paix et la sécurité, parce que t'es une situation de chaos, c'était l'état de nature. Je dis, ben, nous transférer ça, nous gagner, hein. Tout pouvoir, nous, à qu'on Léviathan, un modèle fort, puissant, pour ben, nous sécurité. Et le jour que Léviathan, ça pas capable d'assurer sécurité, sa raison d'être n'est plus. Mais même t'as capable dit, je dis, hein. Par le fait que cette structure, cette réalité, cette fiction qui existe aujourd'hui en Haïti et qui porte le nom de l'État, li incapable, li inapte pour la sécurité, éducation, la manger, le logement, gon nécessité plus que jamais pour repenser l'État ou pour repenser en l'autre forme l'État, ou l'État qui cap dialoguer avec ses citoyens pour éviter ce que le professeur Jean Casimir appelle un dialogue de sourds, ouais. Pour que société a pas dit m'vlon bagay en côté et l'état a dit même mon l'autre côté m'vlon bagay. Donc on nécessité de communication et pour ça fait moi même moi quoi là dedans et mettre la veille dit ça en pile froid et John Wesley dit ça et moi me crois là dedans tout il y a nécessité pour gagner de nouveaux acteurs avec une autre conception de l'État, avec une autre conception de la société. C'est pas de monde qui gagne même comme si petit jeune qui vient là, qui dit ben papa fait politique après 86, après 90, comme si yo pas souillé. Non, c'est de monde qui patriote, qui rime pays. Et c'est ça que professeur Maniga appelle des hommes compétents, mais aussi patriotes. Ouais. Parce que quand la compétence se joint au patriotisme, ça donne des résultats assez importants et intéressants pour la patrie. Le concept nation, j'en parle pas parce que pour moi, le nationalisme est désuet, mais nous avons besoin des patriotes. Pas d'accord, bon, nous pas d'accord, nous pas même t'as bien content que nous faisons émission sur la nation, mais t'as rêvé que gain de patriotes dans pays là, de monde qui rêve un pays là, qui dit que je vis par et pour Haïti, à l'instar de Maître Montferrier d'Orval. J'aime ce pays, je fais le sacrifice de ma vie pour ce pays, je ne m'appartiens plus. Et c'est ça le fibre patriotique. C'est quand on est capable de dire que m'blier ça me gagne comme famille, m'blier ça me gagne comme intérêt, m'blier ça me gagne comme instinct personnel, instinct de survie immédiat. Il dit j'appartiens au pays et ça se fait par l'éducation. Mais on petit monde qui était fait de 2004 à 2020, je dis à 16 ans. Donc 10 ans plus tard, il a 26 ans. Donc, ou imaginons un petit monde de 2004 qui fait une situation de une situation sociale qui générale, qui décomposée, qui sont déconfiture sociale, sont décomposition sociale. Petit monde, ça, c'est plus facile. Gon chef gagne, dit, qui gagne 22 ans. Ça veut dire son petit monde qui fait probablement 98. Donc, nous pas apprendre à l'école. Et il dit le sentiment national, le sentiment d'appartenance nationale, ça se nourrit. Et ça se nourrit par les fêtes d'indépendance nationale. Le 1er janvier, il y a une grosse cérémonie. Ça se nourrit par le fait de chanter l'hymne national de la République. Ou chanter au senti que ou appartenant à un pays. Ça se nourrit par le fait de célébrer la bataille de Vertières. Ça se nourrit par le fait de fêter la fête du drapeau. Ou sent-on appartenu à un corps, à une communauté. Et à chaque fois qu'on a tendance à faire mal à cette communauté, on dit. Et c'est ce que Jean-Jacques Rousseau appelle la volonté générale. La volonté générale doit avoir la primauté sur la volonté individuelle parce que la volonté individuelle nous expose au danger. Ouais. Et si qu'on parle de monde qui a réfléchi pays, qui aime pays, mais qui est compétent, vachement compétent, ben là, on est dans la merde. Et on y est, le corps et les bras. Donc, il faut faire quelque chose.
le pacte social, un nouveau contrat social, mettre la veille. Justement. Ouais. Et à partir de tout ça dit là, James O'Snip, aujourd'hui, il est pratiquement impossible pour Haïti qu'on issue et favorable face à groupe monde qui a dirigé. Parce que lorsqu'on l'État, c'est col qui n'a pays côté l'État, alors que la mission pour le faire de pays ça, un pays vivable sur le présent et sur l'avenir, surtout de préparer l'avenir. Je dis à chaque nègre qui dans l'État, nèg à chaque lap sorti, sorti à passeport, au contraire, 6, 4 mari, 14 ans pour tout faire au aéroport pour le parti. D'ailleurs, madame, ni a petit li tout là, tout à l'étranger. Tout l'argent li change en américain au cas où. Excusez-moi, mettre la veille. Il y a un monde qui dit Haïti a son capet, dit je m'en balance. C'est vilain, Noël. C'est le pessimisme haïtien de toute façon. Ben, un pessimisme légitime quand même. Oui, légitime. Ouais. Donc, ça veut dire. Ou pas qu'à gon l'État, même lui, même quel pas dans le pays. Ya. Ou pas qu'à gon l'État, imaginons un nègre sénateur, lui juge dans la fonction publique là, mais pourtant, si on joue le tawel pas gon visa, bon le mourir fret. Ça veut dire qu'on est pays salié à pas pour lui. Donc, l'el pas pour lui, il n'y a pas d'intérêt pour construire une bonne école. Même en construction l'a fait, il n'y a pas d'intérêt pour. Parce que, monsieur, nous avons vu au Canada, nous avons une construction qui depuis 1100 combien? Ben oui. Jodi an nèg l'état ou l'a font construction même pour passer pour juste masquer un bagage ou est son bagage trivial yo fait parce que yo pas gon sentiment qui pousse yo pour yo rendre Haïti compétitive. Pour yo faire de Haïti une Haïti compétitive face à l'autre pays comme si pour dire nous gain ça. Deuxièmement, c'est pas des nèg qui vivent avec une fierté comme si pour le deal t'es quitté ça. On parle toutes ces actions yo, ti caravane de changement, qui sa caravane de changement, ti route en t'es battu et puis al inauguré. L'art perdu si, de ne presque rien faire nèg comme la, dirait Dani. Nèg la réduit un pays, en république avec dimension mentale li. Qui sont des dimensions où est négado moi pas qu'être député qui là de que me connaît pas obligé citer non yo qui font pas qu'être latrine et puis la plague qu'on y a gon l'autre vagabond qui dit voter négro à terre parce que mais bien sûr parce que son slogan lié il font pas qu'être à terre dans zone là et puis barre à en sotol et cetera donc il avait dit l'elle pour candidat négro à terre donc ça veut dire le nèg a pas gain attachement à pays a c'est comme si monsieur n'a pour exemple terre à terre. On nèg qui joue non femme, il tellement pas aimé femme ça. Femme n'a pas passé bon côté, il craché. Mais femme ça tellement gain bien, il tellement bas avantage. Les douces. Femme là douce mais la belle. Femme qu'on fasciste. Gars pour prendre femme ça comme avantage. La profiter prend en tout cas il retrouve il faut que nous mettre blague nous mettre là vers l'autre on, sérieux on ne connait retrouve là son bail comme ça lié et yo connaît des fois et paraît comme ça pas blague ouais. Donc quand ce genre de choses arrive avec ce genre de dirigeants faut que nous arrivons là nous pas pour dire tant que président nous dit n'importe monde qui camper sur route là la crazo pour le faire ça veut faire mais faut qu'on dise toujours dit hein, nous avons besoin des monde qui c'est par amour yo vle pote on en politique là mais c'est pas comme un moyen de réussite économique parce que gon paquet nèg c'est là qui pour venir faire commencer tremplin justement c'est un tremplin pour yo accéder à certaines choses et puis pour yo gon belle femme tout parce que jodi an de pour nan pouvoir et même pas nan pouvoir même une belle femme mais nous même faut que jeune gens avoir le pouvoir c'est ça exactement ça m'ta parler tant que nous même c'est pas pouvoir qu'on va faire nous bon belle non qu'on belle femme et ça fait grand paquet nèg leur rivé nan pouvoir tout yo fait yo remettre ça promettre là je dis c'est ça yo obligé parce que mais c'est la conception du pouvoir aussi la conception que nous avons du pouvoir en Haïti c'est que pouvoir son espace de jouissance c'est ça c'est pas utile nous vin utile nous pas utile nous vin pas servir et au compte ça me remet des nèg qui vinn passer dans pouvoir qui vinn voler tout ça au bagaille m'pa konn qui est-ce qui prête au moi quand yo non difficulté yo dit des gens qui ont servi la nation qui ont servi le pays. C'est comme si on dit Catman. Est-ce que nèg a konn sa l'ap di an? Par exemple, aujourd'hui, moi si je me porte candidat ou bien si m'accepte pour un poste, une fonction quelconque dans pays a, moi connais pour responsabilité
qui pral réduit dans liberté et que qui pral quitte on trace même après me fini si me fait bien quoi dire mettre la velte passé là mais comment ça t'y mais combien moun jodi en wèk gen ça c'est des cyniques les gars juste dire monsieur me là par contre si m'a fait 3 mois si m'a fait 1 an forme qui t'en font acheter ton caï Miami forme qui t'en fait ceci forme qui t'en fait cela et Jean notre ami que nous recevons dans l'émission Jean Beauvoir. Donc, c'est des cadavres sociaux et nous, ça arrive à des gens aujourd'hui que l'ULCC a fait monter et descendre. Mais, mettre la veille, je suis gros réserve et examine, ça m'a toujours dit ça. Le fait que nous fassions une société qui n'a pas de mémoire ou du moins qui perd la capacité de censure, ou pas cap trop espérer que on est jodi a qui fait gabji dans l'état société après sanctionner l'après 10 ans parce que et pour nous rejoindre sujet de émission qui société que nous voulons société tout qui société que qui gagne la jodi a son société qui perd du capacité pour sanctionner monde et ceci depuis longtemps dans procès de consolidation. Ouais, tout nèg qui était président qui jugé condamné, de nèg qui était condamné pour voler terre dans pays là, nèg ça au quelque temps plus tard au vin président de la République, nous avons cette capacité de censure et c'est ça en pile monde connaît tout qui fait que y a blessé grainé dans pays là, yo fait ça yo vle parce que yo connaît que 10 ans plus tard, c'est eux même qui prennent au timon des affaires. Prenons 2004 par exemple. Permettez que je cite quelques noms. Rudy et Rivo, 2004. Yo déchouqué la Valas. C'était le mal à abattre. Mais Erivo, le sénateur en 2006 pour arriver 2010. De 2010, il quitte le pouvoir là. Il est entré dans PHTK. Deux tendances idéologiques différentes. Mais on ne change pas de position politique idéologique comme on change de gants, comme on change de trottoir. Mais société a pas dit, mais écoutez, Erivo, tu étais porte-parole de la Valas. On prend Mario Dupuis, par exemple. Mario Dupuis a été ministre d'Aristide. Ouais, ministre de porte-parole d'Aristide. Et qui était très bon en fonction. Mais maintenant, il a été porte-parole de Martelly en même temps. C'est pour montrer que nous société qui perdu capacité de censure. Mais c'est grande question pour nous poser, c'est qui ça baï ça? Mais ça ça baï modèle ça aujourd'hui là, ça calé. Mais c'est grande question pour nous poser. Mais même ça me pensait John Wesley Delva son mode d'organisation sociale et politique. Et c'est ça qui fait faut que nous très prudents le n'a pas analyser société haïtienne non, pour nous pas garder seulement individuaux. Parce que individu qui l'a aujourd'hui a son mission que il a rempli, son fonction que il a rempli. Donc ou cap saisi ouais, Jovenel pas président demain, après demain son l'autre monde qui président mais c'est même bagaille qu'a répété parce que c'est bon, même c'est même mode d'organisation sociale. Exactement, là, même organisation politique. Là. Exactement, c'est même mode d'organisation sociale là, même mode d'organisation politique économique là qu'a perpétué. Maintenant, vin fait que les acteurs pour moi, yo important mais yo valent peu. Les acteurs valent peu pour moi. C'est vrai que si organisation hein, social là, l'irrité intacte, même si acteurs ont changé, ça ne veut pas dire rien. Ah, rien du tout. Et puis, même le changement des acteurs, ça va être difficile. Et je vais dire pourquoi. Aujourd'hui, l'organisation sociale dont vous parlez, Diem Sosné, fait que, par exemple, tant qu'il y a des gens, tant qu'on a d'ailleurs, qui mènent nos propres, c'est les mêmes. Ça, c'est sûr. Ça, jeunesse, mes propres. Jodian, si moi même mal quand si ça là et l'autre côté le sale ouais bah ça le bien côté va pas c'est pas moyen rien OK donc jodi hein il est tellement devenu un clivage pas inquiète même monde qui remet nous en bas émission ça là dans zone il y a vle faut que nous gagne l'argent pour nous bail c'est l'organisation sociale ben oui, et ben à oui. Partir de là nous vinn gagne plus chance pour nous gagne même forme monde ça nous gagne jodi hein qui vivent dans le pouvoir parce que eux-mêmes mais au sale, ils ont l'argent droit là dans mais eux, ils ont des armes dans mais eux et ils ont tant volé l'argent l'état pour renouveler tête yo et bien après même moun sa yo malgré peuple a senti nécessité de changement mais le moun tant qu'nous qui les mains saines propre comme ça vini
et nous pas capable c'est good parce que nous juste dire nous même mais ça nous porter comme mission nous venir pour nous aider en vérité John Wesley Delva en vérité James Osney les mauvaises habitudes dans la vie dure ça va demander en pile combat pour mon arriver comprendre mais non si monsieur ça yo yo pas gain l'argent sale nan mais au contraire mais ouais et John vas-y 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 et pour me faire suite avec ça mettre la belle abdi bon l'idée qui passe dans tête moi et même pas me te poser une question en tout là on a parlé de mode d'organisation l'état parce que nous parler de un nouveau contrat social mais empiriquement à qui ça leur envoyer parce que dans mais que nous sorti de du lieu idéal ouais pour nous arriver concrètement qui ça parce que bon l'idée qui passe dans tête moi monsieur on dit par exemple on va qui est très simple on va le poser là et mais qui très concret tout là on est député la caillou son petit magistrat on il voté ça veut dire que li connaît que député a ou bien un petit président son petit président li connaît député a mais a voté là mon cher et ba yo va changer dans boucle parce que nous gen député nous gen affaire pas nous et des fois nèg amené campagne sous ça et nèg là nèg là député li mené campagne comme si son magistrat comme son président mais ces gens société a organisé là ces gens que nous ces rapports nous avec la chose politique mais là qui ça pour qui ça pour changer là qu'on y a là c'est forme d'organisation ça maintenant créer une dynamique qui peut ça un exemple qui très simple que me prend pour illustrer là n'a pas le monde de organisation sociale là pour changer mais qui ça mais c'est des pratiques et nous ba yo forme yo doit prendre et sur le plan macro nous ka penser nous ka faire notre réflexion sur ça même pour un exemple en détail pour montrer mais c'est changer rapport monde à la chose politique faire monde comprendre qui ça politique là qui rôle on élu qui rôle on magistrat et qui rôle on député maintenant si ça pose des problèmes dans la pratique politique donc c'est à dire que empiriquement ça pose des problèmes maintenant comment on va agir sous lui comment on a changé question ça pour que eh bien l'on est député comment on capable puisque dans la pratique dans la tradition politique nèg député ou généralement au gérer projet eh bien, on crée une dynamique légale pour ou constitutionnelle ça. Pour éviter ça que nèg qui député a est toujours le rôle magistrat d'où nécessité pour nous gagner l'autre cadre normatif qui définit rapport politique dans un pays a le pouvoir politique et ça fait moi même moi crois que problème ou dirivo Yuri la tortue Joseph Lambert qui a changé Kazak ou Hervé Saint-Ulysse etc Claude Joseph comme si problème ou tu as raison c'est vrai que acteur yo gain responsabilité pa yo mais attendez mais ces gens société organisée la vie politique en Haïti n'est pas institutionnalisée bien oui l'on est dans parti politique puisque pas gagner un système d'organisation de la vie politique. Nèg la li gen droit dans OPL jodi a la dans la Valas. D'où la nécessité pour que nous organiser vie politique là pour nous gagner ça relé la discipline de parti. James Osney même parler de ça comme politologue. Politologue la frère monsieur. Donc faut nous river dans dimension mettre avec bral baou pour institutionnaliser la vie politique dans pays a. L'homme parler de institutionnalisation de la vie politique, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que un il faut que des partis politiques et qui ça ou qui font gagner de vrais partis politiques qui ça ou gagner comme mission c'est à dire que je dis à là gagner un écrété m'entendez comment il s'appelle encore ce type là que tu as accusé de voler et machine non Willow Joseph li président li, non non mais il gagne parti politique pâle ben oui Rosemont Jean gagne parti politique pâle gonnek qui te toujours gon jacout qui pas dire journaliste vrai j'aime débat histoire ça dans retrouvaille monsieur les jacout monsieur les censurer comme ça monsieur gain parti politique dans jacout li donc ça veut dire que jodi a là nous ka attendre nous à 200 candidats à la présidence sans pays a un petit pays pauvre et tout candidat ça yo l'état va subventionner parce que les pour gain parti politique dans mon motion je reste de là juste une minute excusez-moi m'a parlé avec un citoyen jodi a un grand citoyen jodi a sur Haïti Lidim gon un ancien sénateur candidat à la présidence, je tais son nom, et qui dit que mon cher,
et question élection, nous t'es baillé et préval en consultation et le TFL ça t'es marché. Il dit ouais, question participation parti politique, il y a un bon problème encore dans le pays. Mais il y a seulement un budget national là, mettez quelques millions de dollars là pour parti politique. Il dit mettons 300 millions de gourdes pour les partis politiques. Et puis tout mettez pour élection 500 combien millions de gourdes. Donc nèg yo gon 1 milliard de gourdes pour électionner mais yo va prêt toute parti politique pral fou yo pral nan élection parce que gen cob pour yal nan élection et c'est vrai. Et c'est pour rejoindre ton idée. Le parti politique en Haïti, c'est non seulement une carte de visite, mais c'est un espace d'embourgeoisement. Un espace de distribution de privilèges, bien sûr, mais aussi un espace d'enrichissement. Je suis secrétaire général de tel parti. Il y a invité dans Radio Vision des Mille, Radio Caraïbes, Métropole. Donc, j'ai droit de parole dans l'espace public. On me voit. Et bien, prochainement, le gouvernement a formé. Il y a Paris pour me proposer ministre PAM. Voilà comment la société est organisée et les requins politiques de Port-au-Prince le savent. Et requins politiques. Ils n'ont pas changé ça, ouais. John Wesley Delva. Mettre la velle ou t'as pas ajouté. Moi-même, t'as pas dit un bagaille et tout fait suite à l'intervention, question de faire de députés à pour gérer un ensemble de choses. Moi-même, moi en désaccord avec ça parce que le problème c'est que moun ki député ou pas comprendre ça, ça veut dire yo c'est représentant au niveau de la Chambre des communes. Jodi an John Wesley Delva. Dans chaque ville ou pas, je voudrais dire dans chaque commune où est un bureau, un petit chambre ka yo marqué bureau du député untel. Mais pas gon moun nan population qui connaît qui sa bureau ça a réglé. Et député ça a tout même lui par contre qui wall bureau ça a dans la commune. Alors que en tant que député je suis le représentant de la commune au niveau du pouvoir. C'est moi qui pipré pouvoir pour commune ça a. Je dis là un professeur gagne 5 ans la travail dans l'état, li gon lieutenant men li pas jamais ka toucher, li pas besoin monter Port-au-Prince. La pour aller dans bureau député ak nan commune an la déposer doléance là secrétaire député a moun ki la k'ap travay pou ça a faire député a joine document doléance an député ça li même ki représente commune nan et monsieur prend poule tout nèg k'ap faire politique ni konya ni k'ap vinn gagner même a ban nou consultation gratuite nan radio bat bravo pour la jeunesse à travers l'émission Retrouvailles. Donc être député représentant d'une commune c'est pas seulement mettons ti bureau ti chambre ka et puis ou al chita Port-au-Prince ou c'est représentant commune ça nan pouvoir. Donc là moun nan besoin parler à pouvoir c'est député a même qui pour faire liaison an. Magistrat c'est administrateur commune nan mettre la velle et ça et si problème non c'est pas député en soi ou bien sénateur en soi. Tout à l'heure John. Moi me veux avancer. Ça veut dire les gon kalte problème mon nan gagne dans commune nan, il pas besoin de manière individuelle à chercher rencontrer pouvoir. Ça veut dire li gon représentant déjà qui déjà dans pouvoir, li pour aller dans bureau député a y a vérifier ça pouvoir. Li gon problème au niveau de l'immigration, li gon problème au niveau de signe comment les mains ça côté au fait signe Oni. Il y a un problème au niveau Oni et cetera secrétaire député a rentré en contact la ba non moun et cetera il a vérifié pour lui et faut que ba un système bout de papier faut qu'il aller mais dans quel état c'est ça et pas la même là c'est ça oui ça fait me bouquer c'est de que n'a gagné des députés mais c'est pral des députés de plus. Nous pral gagner des sénateurs de plus. C'est nous pral gagner des présidents c'est même bagaille là. C'est ça. Mais nous si modèle ça, attendez oui. Si modèle ça pas changé. C'est ça m'a dit ah oui, c'est ça me t'ai dit que faut nous arriver dans une dimension pour institutionnaliser la vie politique. Et parce que si modèle, si nous arriver dans une dimension ça mettre la velle. Ou a gagné même bagaille ou a produit les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est pourquoi donc, nous dire que au niveau de Retrouvailles, nous obligés à faire travail ça pour nous dire peuple là. Mais qui est le député, mais qui travaille li pour le faire. Et même député, tout ne pas donner parce que ça n'a pas dit là, vous ne connaissez pas. Oui, donc, bon, je ne peux même aller dans le rôle député et sénateur Metlavel. Je ne peux pas capitaliser sur ça.
parce que nous ka bouquer défini rôle nèg yo nèg on va arriver l'autre bois là yo fait ça ou gen pour faire mais système nan jan le configurer tant que j'en ai grand mendil li boue yo parce que là c'est un modèle qu'il faut changer c'est les rapports politiques qu'il faut changer c'est il y a la nécessité dans le pays d'un nouveau contrat social je comprends John nouveau contrat social là l'implique qui ça l'implique que nous avons une nouvelle constitution nous d'accord sur ensemble de principes qui définit et qui régit rapport politique yo ouais. Mais ça nous entend nous ça me veut dire John jodi en si nous sommes professeurs dans l'état on prend exemple ça j'ai 5 ans à travailler ou bien gros problème chaque mois pas sorti m'pas besoin c'est si c'est cousin député ou après n'a dit ah député c'est cousin m'a prélé pour faire vérifier ça pour moi non si ou rive dans ministère ça pas ca résoudre ou juste aller dans bureau député a député a gen un bureau qui la bureau c'est pas juste fonti chambre ca mettre cousin là dedans ou bien le gérant là ca li là dedans ou bien le prend tonton qui t'en dehors li juste mettre site là ou dire au bureau du député tel ou pas bureau député a son institution liée qui c'est qui fait liaison à tout le monde dans commune à député à côté lié à c'est côté peuple là tout le monde qui dans commune ça voyel comme représentant yo donc ça veut dire gros problème là député et pas cousin député à premier à me téléphone député à après à faire vérifier ça moi non c'est un devoir ou gros problème ou pas besoin ou même individuellement pour chercher où l'état pour passer toute misère montrer Port-au-Prince ou pas dans bureau député voyer que représentant là ou ap mette doléance en lui-même soit la font appel parce que il gagne droit ça pour demander tel ministère vérifier tel dossier ah ben c'est ça là-dedans modèle de représentation politique là faut le changer c'est-à-dire c'est que comment que on va le définir premièrement à l'heure John faut que nous faire peuple à connaître ça et deuxièmement monde qui parle député il faut que connait qui est s'il choisi qui connaît qui rôle qui devoir qui capacité ou doit gagner pour utile commune parce que là aller c'est pas une question pour lever petit budget ou gon l'autre rôle ou représenter en commune OK mais ça me t'a pas dû mettre la veille c'est que c'est même moi bailler plus globalement parce que on est nous doit arriver gain de très bons députés que nous connaît là on est en cours Steven Benoît c'est gain de grands intellectuels qui députés de grands intellectuels et qui ont laissé leurs traces positivement hein au parlement mais globalement ça sert à quoi Steven Benoît passif et c'est vrai il a eu un très bon mandat et tout le monde est capable témoin de moi, ça moi je pense que c'est un mais grand parlementaire c'est un grand parlementaire mais regardez jodi à la qu'est-ce qu'il est devenu Steven Benoît c'est-à-dire que qui a tourné et Sadrak Dieudonné c'était un bon parlementaire mais finalement Steus là caille moins tout oui mais les deux trois grands nègres font bon travail et puis système dans lui-même c'est pas ça les résistants par rapport à on t'a dit à ça à travail d'excellence là ou bien ça qui répond à norme non dans le fond il pas utile à rien finalement on va dire oui Steven Benoît a un bon mandat etc mais qu'est-ce dans le fond qu'est-ce qui a changé donc ça veut dire que c'est pas nous venons comprendre que c'est ou va gagner de bons intellectuels qui parlementaires qui sénateurs députés qui viennent président de la République qui ministre mais le fait que il y a un système qui gonjan le configurer il y a un modèle l'état qui gonjan le configurer donc il y a bail même résultat ça non je suis d'accord c'est ça qui fait que me dit bien avant même nous définir rôle parlementaire là parce que parlementaire il prend qui bon il prend dans l'état mais attendez mais si on pas défini rapport si on pas défini l'état nous pas dit mais qui est l'état que nous voulons pour qui société que nous voulons donc c'est laver messie à terre donc c'est ça me penser que nous arrivons dans un moment pour entendre nous sous ça nous arrivons dans un moment et James Osté mettre la veille pour nous entendre nous sous un projet de société pour nous dire tête nous mais qui ça nous gagne comme constitution mais qui ça nous gagne comme l'état mais qui ça que nous gagne comme modèle éducation mais qui ça nous gagne comme modèle monde parce que d'abord une bagaille que nous gon société pour qui ça nous gon société c'est pour moun yo maintenant faut nous gon projet de m'te ka di qui chita sous l'émergence sous la formation si m'te ka di d'un nouvel être haïtien faut nous embrasser tout ça dans perspective là dans analyse nous yo maintenant si une chita n'a pas les deux rôles député sénateur etc pendant que nous pas manier système dans son ensemble c'est laver messie à terre c'est ça pour nous faire aujourd'hui là nous arrivons un moment n'a pris un Jovenel Moïse encore 2022 ou 2000 l'élection faite là n'a boule figuino encore n'a pris Michel Martelly
parce que gonjan bagay yo fait, il y a une pratique politique. Ouais. Maintenant c'est avec pratique ça pour nous divorcer. Dans cadre on travaille de normalisation de la vie politique qui va permettre que justement nous sortir dans cycle ça et pour ne pas ça. Ils nous font un nouveau cycle. Il faut définir un nouveau cycle. C'est ça que fait là, parce que nous pas trop besoin d'élection dans le moment ça. Mais c'est certain que... Faut que nous avons temps de répit pour nous réorganiser la société, pour que là, nous venons faire une élection encore, pour c'est pas ça, Alban. Non, mais c'est clair, c'est certain. Moi, John Wissi Delva, je comprends l'analyse, et je suis d'accord avec elle, je suis d'accord avec M. Lavelle qui dit que nous pas besoin d'élection. Sinon, c'est empirer la situation. Moi-même, je crois l'organisation sociale et politique d'Haïti ou haïtienne est allergique à la compétence et à l'honnêteté. N'après un nègre qui est compétent, qui est honnête dans le pays, qui entre là bas résultat, quel que soit bonne foi, parce que conditions matérielles, conditions légales, réunies pour le pas bas résultat. Nous disons ça plusieurs fois dans l'émission. John, nous pensons sur le ministre là, je veux dire, ou contentez-vous avec salaire de ministre. Mettre la veille ou ministre ou directeur général, ou contentez-vous avec salaire de directeur général, ou qui peut être 125 000 gourdes, avec des frais, ça ou seulement. Ou pas faire 0 tout 9, ou pas faire. Après, ou fin de ministre, ou après rejoindre dans la rue Port-au-Prince, à une machine RAF 4 dans mon, ou après balle toute la semaine de journée, et la société a condamné ou parce que yo doute ministre parce que poste ministre te ba ou a son poste pour te profiter pour grand nèg faut qu'on volait l'état c'est conception ça ne gagne de l'état et John Wissi Delva a raison de dire il faut changer la conception qu'on a de l'état mais faut que nous changer façon tout nous ouais l'état par exemple John un député qui ouait tête li comme on petit président, on demi président, on demi dieu dans la Gonave ou bien non section communale reculée dans pays. Ou pensez député ça ouait tête li comme demi dieu, le couper femme nègre parce que le député li ouvrit toute porte que le voulait, il est vénéré, il est glorifié, il est honoré. Il est pas humble. Donc, ou pensez que ça pral besoin que yo change pratique yo. Et c'est pour raison ça moi ouais que Jovenel il est méchant. Il est méchant, c'est vrai qu'on ta cap méchant dans toute dimension qu'on ta méchant, mais quand il s'agit d'une réforme constitutionnelle qui implique le pays ou comme si pays ça li pral sous égide constitution ça pendant des années, il faut pas prendre ça à la légère. La réforme constitutionnelle, il fallait la toucher avec la main tremblante. Pour dire que son constitution qui charrier revendication moun yo, son constitution qui pral organiser la vie politique, la vie sociale, la vie économique, qui pral charrier toute aspiration que moun yo gagne, donc il faut faire appel aux citoyens les plus formés, les plus dignes pour réfléchir sur lui. Mais il faut inviter le peuple à réfléchir sur son avenir. Parce qu'il s'agit de sa constitution. Ou pas qu'à prendre de monde tête bochette, tête ceci, m'a qu'on est. Ou dit, ou pral réfléchir sur l'acte le plus important d'un pays, qui est sa constitution. Et constitution, hein, où est tout débat qui vient aujourd'hui dans la société à John Wissi Delva, M. Lavelle Joseph, pour faire amendement ou réforme constitutionnelle là. Donc, de 87 à 2000, il a fallu 33 ans, de 87 à 2020, pour changer constitution. Donc, c'est un sujet sensible. Si nous arrivons à jouer un consensus aujourd'hui sous nécessité pour changer, il faut que nous fassions appel aux forces vives de la République, aux plus belles têtes de la République, pour pas. Et c'est ce que Montferrier d'Orval voulait. La constitution, la réforme constitutionnelle est plus grande que le président de la République. La réforme constitutionnelle précède la présidence.
Donc, ou pas cap faire un bagage personnel, ou pas cap faire un projet politique individuel. Et c'est là que je vois de la méchanceté. C'est peut-être une réforme constitutionnelle, là, John Wesley Delva. On allait réorganiser la fonction du parlementaire. C'est peut-être une réforme constitutionnelle, là, nous t'apprendrons une nécessité. Organiser la justice. La justice du pays. Et, ouais. La nécessité d'un parlement monocaméral, parce que le bicaméralisme dans un pays pauvre est budgétivore. Toutes les données en sciences politiques le disent. Donc maintenant, si tu touches à la Constitution, il fallait y toucher avec la main tremblante, mais il fallait y toucher avec sagesse et humilité. Donc moi-même, moi, ouais, ça, c'est méchanceté grave. Donc, il faut réorganiser l'État. Il y a une équipe importante, Badil James, et ça qui a fait société à marcher, qui a fait fonctionner, elle a une perspective marxiste, qui c'est l'économie, qui c'est l'infrastructure de la société sur laquelle repose tout le même la politique. Faut nous redéfinir justement un nouveau modèle économique, parce que nous entraînons bagay kap bwen nou, nous entraînons par exemple non néolibéralisme qui kap bwen nou, donc qui fait nous plus mal que bien, qui détruit nous comme peuple économiquement. Mais je dis à la fois, nous redéfinir le rapport nous, par rapport avec FMI, Banque mondiale, qui mettait un code dans le coup nous et qui demandait pour nous privatiser tout ça. Mais il faut nous redéfinir ça. Nous redéfinir pour nous dire que qui modèle l'État nous prend le gain par rapport à système global là. Ça nous décarre les. Wittgenstein. Ça me dit le système monde là. Ouais, je connais Immanuel Wittgenstein, on va dire ça. Donc ça veut dire faut nous capable définir donc nouveau rapport nous par rapport à système monde là. Il y a des bagages qui est important pour nous définir comme société. Je dis à la par exemple pour FMI, Banque mondiale prêter l'argent. Il demande pour l'État, il pas prêter, il pas demander pour l'État pour le privatiser tout ça le gain, pour l'État quitter l'économie à mener tête li, pour l'État rester là à garder, pour l'État créer conditions seulement pour marcher à réguler tête li, pour l'État absent ouais, net. C'est la disparition de l'État. C'est la disparition de l'État. C'est ça le FMI, la Banque mondiale a prôné, et c'est ça qu'ils ont demandé. Nous dans ça dans le pays, et ça t'est conduit à vague privatisation. Donc ils ont bradé service public nous dans le pays, donc nous pas gain ça. Donc ça veut dire que faut que nous redéfinissions tête nous. L'État nous gain par rapport à ce système monde, à ce système global, pour nous dire que oui, nous sommes dans la globalisation, hein? Nous sommes dans le monde village là, mais il faut que nous capables d'exister comme l'État. Ouais. Donc il faut que nous soyons l'État national. Donc je dis à là, je pense que c'est un ensemble de questions pour nous réfléchir sur eux, que en pile débat pas fait sur eux dans la société. Mais je pense que dans le nouveau contrat social, n'a pas lié, dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle ère sociale, et pas heure, non? Yeah. Dans cette nouvelle ère sociale, il faut que nous définissions nouveaux rapports, nouvelles dynamiques économiques. Là. Donc, je pense que c'est réflexion ça eux pour nous essayer de faire et puis pour aller plus loin dans la société. Yeah. Et il y en a un que. C'est vraiment le mot de la fin. Oui, hein, oui. Que nous connaît, c'est que les rois font constitution, ou pas faire pour un monde, ou pas faire pour un régime, ou pas faire pour une classe. Ou font bagay qui disposé pour l'avenir, pour l'organisation de la société, et faut que nous tenions compte aussi de l'ère dans laquelle nous vivons. Il y a quelques bagay qui tombent en désuétude dans la société ya, par rapport à contexte que la Constitution a fait, l'elle fait là. L'elle dit la loi, les lois sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Donc, il faut tenir compte de la nature des choses. Aujourd'hui, et comment ça pourrait être demain quand on élabore une loi. Donc, je dis, là, on est voulu faire une constitution selon caprice. C'est bagay qui t'a capi dangereux parce que même Nexal, par contre, pour combien de jours la vivre, tandis que constitution, ça va déterminer l'avenir de plusieurs générations. Et nous venons de prendre, à titre d'exemple, cette constitution que nous avons là, ça fait 33 ans. Imaginez-vous que on ait fait constitution ça juste pour le protéger Ariel parce que le saut de voler en quantité comme
et puis il a un paquet de désordres, et puis jodi la constitution ça a encore d'application. Et c'est la même chose que nous sommes en train de vivre avec cette même constitution qui était en quelque sorte élaborée dans un contexte post-dictature de des Duvaliers, qui était qui on sait quel côté nous tape mettant pile garde fou pour empêcher un éventuel sentiment dictatorial là car un président. Et je dis qui ça le fait, il charrier tout un pouvoir par un ensemble de parlementaires qui malheureusement pas gagné en conception de l'état de pouvoir et comprendre ça, ça veut dire qui galvaudel qui tourne le contre peuple encore aujourd'hui. C'est peut-être ça l'idée de réforme constitution, ça doit être l'objet d'un débat national et très très profond, parce que c'est pas un bagage moun ka prend comme ça. Et j'aime bien le terme utilisé par notre estimable politologue, il faut toucher ça avec la main tremblante. C'est pas quelque chose qu'on peut rentrer avec les pieds remplis de boue et comme si c'est comme ça, et puis on fait des bagages selon qu'a pris son monde, qu'a pris son groupe, qu'a pris son classe. Mais c'est quelque chose qui est déterminant pour toute une nation et pour l'avenir. Donc il faut pas toucher comme bon et il semble avec ces gens. Moi mais je bats monsieur respect à mettre la velle, notre estimable politologue. Je resterai humble mettre la velle. même je me Delva comme mot de fin, faut que moi dit que c'est toujours un plaisir pour m'exposer aux l'œuvre savante de maître Lavelle Joseph et de John Wesley Delva. C'est quand même intéressant. Vous êtes des poteaux électriques sur lesquels on doit se brancher quand on est tabou d'idées. Et moi, j'aime discuter ensemble avec nous, moi, j'aime parler ensemble avec nous. Une nécessité pour refaire l'État. Une nécessité pour repenser mode d'organisation société, une nécessité pour refaire monde dans le pays, pour rebâtir l'être haïtien, pour reconstruire l'être haïtien, parce qu'il me semble qu'il n'existe plus. Et nous pas capables, c'est John Wesley qui nous dit ça, nous pas capables de faire pays à croche, nous n'avons pas capables de faire pays à pied broyé, c'est à monde pour faire, nous besoin de monde pour le faire. C'est un travail de titan, c'est pas facile. Nous pas une prétention que des micros là nous cap changer ça, mais nous espérer que nous toucher de monde, nous arriver sensibiliser de monde sur nécessité pour payer à marchons l'autre gens, parce que Jean pays a là c'est pas comme ça pays marcher, c'est clair clair et net. Donc on nécessité pour refaire ça. Donc moi je pense que moi quoi mon cataclysme qui a passé en Haïti politique ou naturel qui a disparu ton ensemble d'acteurs et gagner de nouveaux acteurs qui pourraient émerger. C'est peut-être John Wesley Delva, c'est peut-être Meltavel Joseph, c'est peut-être James Osney, parce que nous faisons la politique, nous aspirons au pouvoir, et que tout le monde le sache là, hein. Nous pas de monde qui a parlé, qui n'a pas besoin de pouvoir politique. On a besoin du pouvoir pour changer les choses. Donc qu'on le sache, nous sommes encore, nous faisons partie du faible reste restant de ce pays et sur lequel Haïti peut compter. Merci John Wesley Delva, parce que vous avez bonne possibilité pour nous parler, pour nous animer ensemble. Monsieur Naïmission, merci Maître Lavelle, merci à tous les amis auditeurs. Monsieur Naïmission, l'abdi merci. En tout cas, c'est le poète qui va terminer l'émission. Je vais finir avec un texte que m'écrit par rapport à la situation de d'insécurité que le pays a connaît. Et texte là, tant que Jean-Frem Zamim, Jacques Adler Jean-Pierre Tekadil, texte a parti comme ça. Anthropophagie, débris de balles courent dans nos assiettes. Affamés, nous mangeons nos pouces d'une bouchée double, un cadavre de plus sous la langue. Et dans les hanches valse un soupir inespéré d'une mère orpheline de sa voix. Un cercueil acoustique pour accorder nos hurlements. Nuit des rapaces, la ville pisse du sang, de quoi en faire un lac d'horreur. Dépucelées, les rues marchent pieds nus sur la fricheur des braises. Essoufflement des heures écarlates, l'avenir aura pris feu. Bye bye tout le monde et à dimanche prochain. Bravo pour John Wesley Delva. Hein? Il faut applaudir ça. Merci et les voilà. Amis. À dimanche prochain.
tous les dimanches entre 17h et 19h sur BBJ International Retrouvailles. Combien de fois les portes sont fermées pour toi? Retrouvailles, toute l'actualité nationale et internationale avec John Wesley Delva, James Osney et Maître Lavelle Joseph. Retrouvailles, tous les dimanches, un rendez-vous qu'il ne faut pas rater.